maison sur le sable. La femme muette a construit la maison sur le sable. D'un seul coup, l'orage s'est mis à gronder. La pluie a mouillé le sable et les plantes ont coupé. La pluie a mouillé le sable. J'ai l'impression qu'on vous... Maman, viens! Non! Maman, allez, viens! Venez! Viens! Maman! Viens! Maman! Maman! Viens! Maman! Au secours! Maman, vite! Maman! Amélia, t'as fait un cauchemar? De quoi ça parlait? D'un vilain monstre? Non, j'ai oublié. Je me souviens plus. Un verre énorme? Non? Peut-être d'un grand serpent très en colère. Oh! Non, pas si grand que ça. La femme muette a construit sa maison sur le sable. La femme muette a construit sa maison sur le sable. La femme muette, café? Je bois pas de café, moi. C'est vrai? Non. J'avais oublié. Matt! Qui c'était? T'as pas décroché? Merde! Mince. Tu veux du fromage? Tu peux vérifier qu'il n'oublie pas de se brosser les dents? Je suis en retard. Je trouve plus mon bouquin d'antiquité que j'avais acheté à Savannah. Oh, j'ai dû le mettre en bas à la cave? Non, j'ai déjà regardé. C'est vrai? Bon, écoute, je tâcherai de te le retrouver samedi. Samedi, t'avais promis qu'on ira à la plage tous ensemble. On ira. Je te le retrouverai samedi, et si je le trouve pas samedi, je te le retrouverai dimanche. Promis, je parie que ce sont les gremlins qui l'ont piqué. Oui, comme Panda qu'on n'a jamais retrouvé non plus. Il est où? Tu n'aimais pas Panda? C'est grand-mère qui me l'avait donné quand j'étais petit. Oui, pour la bonne raison qu'elle refuse de te voir grandir, mon trésor. Comme avec ton père. Femme sans cœur. Bon, faut que j'y aille. Si on m'appelle, dis-leur que je suis en route, d'accord? N'oublie pas qu'on voit Madame Belcé à 16h. Oh, Mira a convoqué une réunion de travail. J'ai reporté à demain. Super. Je voulais du jus de raisin, moi. Écoute, je te propose un truc. Tu bois ton jus de pomme et samedi à la plage, je te promets de t'acheter des beignets. Des beignets de crevettes avec de la mayonnaise? C'est vendu. Allez, je m'en vais. Et quand faut y aller? Faut y aller. À ce soir. Salut. Salut. Passe une bonne journée. Ouais. Au revoir, les hommes. Au revoir. Au revoir. Pédiatrie. Docteur Seward, Christine a besoin de vous. C'est Denis. 5 petites minutes. D'accord. J'ai un cas d'anorexie sur un bébé qui doit entrer demain à 16h. Je pourrais croire à une blague, mais je connais hélas votre manque d'humour. C'est un cas qui est pile pour vous. Mira, je ne pourrais pas être là. Je serai à une réunion de parents d'élèves. Il n'y a rien à faire, je suis désolée. Très bien, je vais les repousser jusqu'à vendredi. De grâce, Mira, j'ai 2 fois trop d'enfants dans mon service. Amélia, je vous ai confié ce poste parce que j'estime que vous avez toujours un diagnostic excellent. Cet enfant nous a été envoyé par le docteur Sullivan. Il a pratiqué toutes les analyses possibles et imaginables, mais il n'a rien trouvé. Poids anormal à la naissance. Ma mère l'a allaité, arrêt de la croissance à 9 mois. Le docteur Sullivan a décidé de nous l'envoyer depuis que le père l'a accusé de négligence. C'est une situation cauchemardesque. Un cas d'anorexie sur un bébé dont les parents sont avocats et qui ont des amis très haut placés. Il y a de grandes chances pour que ce soit psychologique et non physique.
Ouais. Mais les parents sont convaincus qu'il s'agit d'une maladie que les médecins n'ont pas su déceler. Bonne chance. Docteur Perry en radiologie, docteur Perry. Oui, chaton. Mais qu'est-ce que tu fais là? Où est ta maman? Hein? Allez, viens. Allez, on va essayer de la retrouver. Bon, allez, maintenant, ça suffit le massacre. Laisse-le tranquille. On m'a demandé de lui faire une prise de sang. Oui, mais on va voir ça avec le docteur Stewart. Mais tiens, la voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Denis. Je renonce. Il n'arrête pas de crier. Tu l'as piqué à 3 reprises et t'as toujours pas trouvé la veine. Ce moment, on le pique sans arrêt. Ses veines, c'est de la bouillie. Je m'en charge. Bien, mais si vous voulez les résultats demain, j'ai 10 minutes pour descendre au labo. Vampire! Je ne veux plus que cette femme le touche. Il y a sûrement un autre moyen. Je comprends, je comprends. Je sais combien c'est difficile. Vous êtes sûr? Moi, ça fait la 2e fois que j'en passe par là. Docteur Alan, en radiologie. Je suis désolée. Mais vous êtes la seule qui l'accepte. J'y vais. Alors, Trésor, comment va mon malade préféré, hein? Celle-là, je vais la tuer avec mon arme. Oh, mais tu n'as pas d'arme. J'en fabriquerai une avec mon canon à eau. Mais tu n'as pas de canon à eau, mon chéri. Dis, tu m'en achèteras, tu veux? Écoute-moi, Denis. On va te prendre un peu de sang pour faire des analyses, d'accord? À condition que ce soit toi et personne d'autre. D'accord, ce sera moi et personne d'autre, promis. Détends-toi. Voilà, ça va aller vite. Tu es un petit garçon très courageux. J'ai presque fini, Trésor. J'en ai plus pour longtemps. Docteur Witten, en pathologie. Il ne veut même plus essayer de marcher. Il dit qu'il a mal. Et il refuse de manger. Je crois qu'il a compris. Compris quoi? Qu'il va mourir. Je crois qu'aujourd'hui, il a compris ce qu'il attend. Forcez-le à reprendre espoir, Roberta. Et reprenez espoir, vous aussi. Il n'a pas quitté sa chambre depuis 1 mois. Est-ce que je peux l'emmener sur la terrasse? Non, ce n'est pas possible, hélas. Allons, je t'en prie, Marie-Pat. Pourquoi faut-il se battre pour la moindre autorisation? Ici, ce n'est pas moi qui établis le règlement, c'est le médecin. Mais enfin, c'est ridicule. Tu ne cherches pas à comprendre. Ce n'est pas d'aller respirer dehors 5 minutes qui le rendra plus malade qu'il ne l'est déjà, et puis au moins ça lui changera les idées. Je regrette, je voudrais bien, mais c'est hors de question. Je le prends sur moi. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais ça a marché. Oh, mon trésor, tu sens le soleil? Attends, Denis, regarde. Voilà. Une touche de gaieté pour fêter cette sortie. Tu es content? Merci beaucoup, madame. Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. C'est chouette d'être dehors. Je vous remercie, docteur. Oh, de rien, voyons. Emmenez-le de l'autre côté, c'est à l'abri du vent. D'accord. À tout à l'heure. Tiens, voilà, on va se mettre là, hein. Regarde, on voit toute la ville d'ici. Ça te plaît? Je vais t'enlever ton masque. Profitons pendant qu'il n'y a personne pour nous surveiller. Oh, regarde, chérie. Regarde ce nuage, ce qu'il est joli. On dirait un ange. Maman, elle est avec les anges, dis. Oui, oui, mon trésor. Oui, elle est avec les anges. Matt, c'est moi. Salut, Brandon. Oui, Alex. D'accord. Alex! Stop! Juste ciel, un astronaute! Je suis le pirate des mers! Juste ciel, le pirate des mers! Appelez les gardes-côtes! Je suis un gentil pirate! Un gentil pirate? Alors venez par ici! Alors, gentil pirate, comment allez-vous? Ça va! Ouh, dis donc, Brandon, t'as un joli t-shirt! C'est ta maman qui va être contente. Elle dit qu'il n'y a rien de bien grave. Elle veut juste avoir une petite conversation. Ils vont me mettre dehors? Écoute-moi.
On dépense une petite fortune afin que tu profites de l'avantage offert par un établissement privé. Alors tais-toi. C'est Brandon qui a commencé. C'est lui qui m'a traité de trou du cul. Ah, tiens donc. Et c'est pour ça que tu lui as mis de la colle dans ses chaussures. Ben, si tu veux rester dans cette école, faudra fournir des lettres de référence. Il n'y a qu'à demander à tes parents. Ils ont toujours trouvé qu'Alex était prometteur. On a rendez-vous à 16h. On n'a pas intérêt à être en retard. Compris. Amélia? Demain, 16h, il n'y a pas de problème. Non, aucun problème. Bonjour. Bonjour. Les résultats de Denis. Le taux de globules blancs a grimpé. Je crois qu'il ne faut plus attendre. Seulement les antibiotiques l'affaiblissent plus que l'infection. Oui, mais ça marche. On n'a pas le choix. Il a déjà perdu beaucoup de poids. Oh, te retourne pas. Oh non, ce cher Randy me fait autant de bien que des hémorroïdes. Salut les filles. Et d'où vient une telle bonne humeur? Un malade à l'agonie? Ah, une matinée aux urgences. Aujourd'hui, c'était la course. Deux agressions, un suicide. C'est dingue ce goût pour le morbide. D'ailleurs, je parie que quand tu étais enfant, tu devais arracher les ailes des insectes. Non. Mais je le fais aujourd'hui, ça va. On attend les autres résultats. Je crois qu'on peut traiter l'infection. On va lui donner de l'amphotéricine. Ouh là là. Au grand mot, les grands remèdes. Pas génial. Il a le sida, ton môme, c'est ça? Oui, c'est ça. Les fautes des pères. Les fautes des pères n'ont rien à voir là-dedans. Il a eu une transfusion. Ah, pauvre môme. Bon. On se retrouve tout à l'heure. Pourquoi tu as dit ça? Son père est un drogué. Et sa mère aussi est morte du sida. Je déteste quand il affiche ses grands airs supérieurs. Vu la vie qu'il mène, c'est un vénard d'y échapper. Avoir le sida n'est pas une punition. Denis n'y est pour rien. Tu n'as pas besoin de le défendre. T'as raison. Je suis désolée. Tu traites cette affaire d'une manière un peu trop personnelle. Commande l'antibio à la pharmacie. Denis, où est ta grand-mère? Chez elle. Dis donc, ce serait pas l'heure de ta sieste? Une histoire. J'ai du travail, chérie. J'ai encore d'autres malades. J'ai pas le temps, mon trésor. Bon, d'accord, mais une toute petite, alors. Juste un rêve. Juste un rêve? Tu veux celle-là? Comme tous les matins, Walter s'arrêta devant la boulangerie avant d'aller à l'école. Alex a présenté des excuses. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Il promet de ne plus recommencer. Souhaitons-le. Ah, docteur Stewart. Oh, excusez-moi, en retard. Nous avons presque fini. On t'a attendu. Bonjour, maman. Alors, ça s'est bien passé? Donc, nous avons eu une petite discussion avec Alex et il nous a fait des excuses. Surtout, il a promis de ne plus jamais recommencer. N'est-ce pas, Alex? Exact. Bien. Plus de farce à l'intérieur de l'établissement. Votre fils a également promis de surveiller son vocabulaire qui n'est pas le plus châtié. Voilà. Bon, je pense que ce sera tout. Au revoir, Patty. Au revoir et à demain. Chut.
dirais plus trop du cul. Alors tu m'achèteras de la guimauve blanche à maman. On va voir. Allez, au revoir. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Tu m'avais promis d'être à l'heure. Denis, encore une autre infection. J'ai dû superviser un nouveau traitement. Je pensais aller à la pêche. Dis, si on dînait en ville, une pizza, ça te dirait? Chez Antonio, c'est moi qui invite. Monsieur Tchèque. Avec Marco, on pense que la maison sera prête dans 6 petites semaines. C'est la maison idéale pour un couple avec 2 enfants. Elle est livrée clé en main. Votre maison témoin. Comme ça, Marco pourra joindre l'utile à l'agréable. Il fait ce qu'il veut, il est célibataire. Ce qui est rarement le cas de ses maîtresses. Ah, j'adore quand tu parles de la vie privée de Marco. Tes yeux brillent de jalousie. Je ne suis pas jalouse, mais je ne voudrais pas que tu te laisses influencer. Ah, ah. J'aimerais que tu la vois. Oui, quand? Demain après-midi. Est-ce que j'aime ça, moi? Non. Oui. Demain, c'est impossible. J'ai cet enfant, tu sais, qui est anorexique dont je t'ai parlé. Les parents pèsent lourd. Ils sont avocats tous les deux. Bon, d'accord. Il y a un match de basket samedi. En repartant, si tu veux, on s'arrêtera et on ira la voir. Cette année, tu n'es venu qu'à un seul match. Toutes les nanas pensent que je suis célibataire. Parce que tu te figures qu'elle regarde le match. Elle regarde surtout quel est le joueur qui a le plus beau cul. Cul, faut pas dire. J'ai dit ça. Oh, pardon. Je voudrais que tu la vois. Une chouette baraque. Je viendrai. Docteur Stewart, on vous demande en pédiatrie, docteur Stewart. N'aie pas peur, chérie. Ça va aller. Ça va aller. On est là, n'aie pas peur. Il a été pris de tremblement 5 minutes après la première éjection. Il fait une allergie et je crois que c'est en réaction à ce nouvel antibiotique. Bon, alors vous arrêtez l'amphotéricine. Donne-lui un suppositoire d'acétaminophène et une intraveineuse antihistaminique. Docteur. Docteur, il ne m'a même pas reconnu ce matin. Je ne veux plus le voir dans cet état. Écoutez, je sais que c'est horrible, mais ça a marché la dernière fois. On a enrayé l'infection. Vous ne le sauverez pas. Denis est condamné. Je suis médecin, Roberta. Je dois guérir ce qui peut être guéri. Et cette infection, on peut s'en débarrasser. Oui. D'ailleurs, il va nettement mieux, ça se voit. On est là, Trésor, n'aie pas peur, on va vite te soigner. On s'occupe de toi, crains rien. Docteur Barnes, poste 182. Docteur Laurent, poste 100. Bonjour. Vous avez 10 minutes de retard. Oui, je sais, excusez-moi, mais ce ne sera pas long. J'ai lu son carnet de santé et je voudrais l'examiner. Il serait temps. J'ai toute une liste de possibilités que le docteur Sullivan a, semble-t-il, négligé. Il nous a demandé de noter ce qu'elle mangeait. Elle a 3 ans, son frère en a 5, et il va très bien. Je ne vois pas en quoi nous serions responsables. Oh, personne ne vous accuse, monsieur Blake, et il est important que vous ne vous accusiez pas non plus. On a tout essayé. Quand on nous a dit de lui donner à manger à 18h, on l'a fait, même si parfois ça ne nous arrangeait pas vraiment. Bien. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais qu'elle voie un psychothérapeute. Pourquoi aurait-elle besoin d'un psychothérapeute? Je voudrais que ce soit quelqu'un d'autre qui lui donne à manger. Ça peut peut-être marcher. Bon, allez, viens avec moi, je t'emmène, on va voir ce qui ne va pas, hein? Je reviens. Je suis contente que tu aies pu venir. Moi aussi. C'est le paradis ici. Oui, ma vie n'est pas si mal. En fin de compte, je suis devenue l'homme que j'aurais voulu épouser. C'est intéressant. Tu devrais écrire un article là-dessus. C'est déjà fait. Tous les éditeurs sont obsédés par l'idée que dans les années 90, les femmes qui ont voulu le beurre et l'argent du beurre paieront le prix fort. L'ennui, c'est qu'on ne savait pas que ce serait aussi cher payé. Personne ne le savait. Oui? Tu sais, le môme dont je t'ai parlé, celui qui a le sida, Denis. Oui. Il est en train de m'échapper complètement. C'est insupportable. Je croyais que vous n'étiez pas censé vous attacher à vos malades. C'est vrai. Sauf que là,
Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, je ne sais pas l'expliquer. Il y a 2 mois à peine, c'était un petit garçon débordant de vie. Il me fait beaucoup penser à Alex. Tu en demandes trop, à mon avis. Non, j'ai trop à faire, Dodie. Ce n'est pas pareil. Allez, vas-y, cours, 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 cours. Plus vite, Alex, plus vite. Oui, allez, bravo. Oh, super. Regarde, ça y est, il vole. Oh, non. C'est l'hôpital. Il faut que j'y aille. Docteur Miller pour la pharmacie. Tiens, regarde, tu vas pouvoir jouer avec le petit garçon. Viens voir. Ah, Benji. Je te présente Alex. Vous allez pouvoir jouer ensemble. Je reviens dès que j'ai terminé. Je le surveillerai. Merci. Alors, Alex, tu viens jouer au Lego avec nous? Bon, alors, Benji, on le construit où, cet aéroport? Ici, ça te va? L'attention artérielle a chuté, j'ai cru qu'il allait y passer. Qu'est-ce que Mira a dit? Je lui ai laissé tout son dossier. Pour elle, il est en coma dépassé. Comment ça? Quoi, tu veux le mettre sous ventilation? Non, non, il n'est pas encore en coma dépassé. On va t'accuser de pratiquer l'acharnement thérapeutique. C'est mon malade, et j'irai jusqu'au bout. Docteur, Denis ne s'en sortira jamais. Il va mourir. Je ne veux pas qu'on s'acharne à le maintenir en vie. Il y a encore des traitements que nous n'avons pas essayés, Roberta. Personnellement, je les ai tous essayés avec ma fille. Je refuse que mon petit-fils connaisse la même chose. Ça ne sert à rien. Moi, je refuse de baisser les bras. Il ne s'agit pas de vous, docteur Stewart. Les visites sont terminées. Les personnes étrangères à l'établissement sont priées de quitter l'hôpital. J'ai parlé avec Roberta cet après-midi. Elle refuse la réanimation, si tant est qu'on me l'accorde. Je suis opposée à une telle décision. Sa fille est morte du sida, non? Oui. Moi, je crois qu'on n'a pas le droit. Allons, mesdames. S'il s'agit d'une pneumonie, c'est perdu d'avance. Ne lui imposons pas ça. Vous savez ce que c'est que la réanimation? Qu'est-ce que je fais s'il s'arrête de respirer? Je me contente de regarder? Je ne lui donne pas d'oxygène, je ne bouge pas. Je refuse l'état de coma dépassé tant qu'on n'a pas prouvé qu'il est sur le point de mourir. Exact. Il n'est pas sur le point de mourir. Le placer en réanimation ne changera rien. Oh, je t'en prie. On peut encore être utile, et tu le sais. Amélia, ce que nous savons, c'est qu'il est perdu. Alors épargnons-lui d'autres souffrances inutiles. Je déclare le patient en coma dépassé, dès à présent. Désolé pour le match. J'en ai rien à foutre de ce match. Aujourd'hui, c'était le jour d'Alex. Il attendait ça depuis des mois. Oui, je vous ai gâché votre journée. Quand, Amélia? Écoute, Matt, tu as fait médecine, tu sais ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Je me fiche de ne pas passer avant, je ne veux pas qu'Alex en souffre. Non, là, tu es injuste, Matt. Notre fils en sait davantage sur les maladies que sur les dinosaures. Et alors? Alors, quand tu as pris ce boulot, tu as dit que ça changerait les choses. Qu'on n'aurait pas plus d'argent, mais plus de temps. On va avoir plus de temps. Disons qu'il faut juste être patient.
On avait pensé aussi faire un autre enfant. Souviens-toi. On a failli perdre Denis aujourd'hui. Viens là. Heureusement que je ne suis pas tout bide. Augmente le dosage et parle à Amelia de ses autres analyses. Elle arrive. Tu as le temps de t'occuper du gamin qui a le syndrome de Kawasaki? Appelle Randy, moi je suis plus là. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un rencard. Énorme. Comment dépasser? Bonjour Marco. Tiens, Amelia. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Matt m'avait pas dit que tu venais. Oh, il n'en savait rien. C'est la femme de Matt. Elle est toubib. Oh, pardon. Directrice du service pédiatrique à Mountain View. Et c'est resté une grande fille toute simple. Je suis Amelia. Bonjour. Merci, là, ravie de vous voir. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Oh, c'est incroyable. Si tu l'avais vue il y a 3 mois, une véritable ruine. Elle a eu un super lifting. Bravo. Oh, je vais te faire visiter. Non, je voudrais lui faire une surprise. Oh, alors, on vous laisse seul. Hé, hey, n'essaie pas de faire des choses à ma place. Si tu veux tout savoir, je ne vois pas ce que tu ne serais pas capable de faire, au juste. Ah, bon point pour toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'apporte ton déjeuner. Dans le grenier, on a décapé toute la poutre. Mmh. Tu verras, ça fait un très beau volume. Toutes les pièces sont des portes. Il mmh. faut juste en raboter une ou deux. Mmh. Et puis, j'ai commandé une extraordinaire baignoire ancienne avec des pattes de lion. J'adore quand tu te laisses aller à ta passion. Pour les salles de bain. Et un certain avantage à avoir épousé un garçon qui est à droite de ses mains. Dis au fait, mes parents viennent pour ce briefing. Si ta mère nous apporte son éternel goulash, je ne réponds plus de rien. On ne peut pas leur dire qu'on est malade. Non, c'est trop tard. J'ai déjà invité Marco. Désolé. Pas de problème. J'ai invité Dodie. Au nom des forces avant. Qu'est-ce que tu ferais? Je tuerais un requin blanc avec mon arme. Ah. Et s'il te mange avant que tu aies le temps de tirer? Je le tuerais quand je serais dans son ventre. Moi, je tuerais une baleine avec un harpon. Non, les baleines, c'est gentil. C'est chouette comme boulot, de garder des gosses toute la journée. Je garde des gosses toute la journée. Tu sais très bien ce que je veux dire. Tu veux dire en bonne santé et joyeux. Salut, Alex. Maman. Alors, ça se passe bien? Regarde, c'est une dingue. Ils sont tellement énervés à l'approche de Thanksgiving. Vous retournez à Minneapolis? Pas cette année, mes parents sont en Floride. Quels sont vos projets? J'ai rendez-vous avec de la dinde froide ce soir. Si vous restiez dîner chez nous. Oh oui, Patty. Mange avec nous. Oh. Non, ça me gêne. Si, restez, ça fera plaisir à Alex. Bien sûr, on serait ravis de vous avoir. Merci. Je ferai une tarte. Super. Oui, bien sûr. Pourquoi pas, avec plaisir. Les
Vite, on avance. Je vais aller me cacher. T'es prête? Oui. Entrez, joyeux Thanksgiving. Bonjour. Joyeux Thanksgiving à vous, mes enfants. Joyeux Thanksgiving. Joyeux Thanksgiving. Donnez-moi pour moi. Comment ça va? Ça sent bon. Oui. Attends que je te débarrasse de ça. Alors, où est mon petit garçon? Où est Alex? On arrive, on va te trouver. Goulache. Écoute, c'est toi qui lui as dit que c'était un plat absolument divin. On n'était pas mariés ce temps-là, je faisais de la lèche. C'est pour nous faire plaisir. Non, c'est sa manière à elle de nous dire, écoutez, je suis médecin et je trouve le temps de préparer le plat favori de mon fils. Et ma famille n'a jamais eu à souffrir de mon métier. Ça, c'est faux. Elle n'était jamais là. Pour elle, son goulage, c'est la seule preuve d'amour qu'elle puisse donner. Génial. On le garde pour les situations d'extrême urgence. Allons, c'est Thanksgiving. Tu devrais être reconnaissante d'avoir une belle-mère qui réussisse aussi bien le goulash. Chut. Personne n'a vu la passoire. Dis donc, tu m'avais pas dit que l'institut d'Alex était une petite minette. Ce n'est pas une petite minette, c'est une jeune femme intelligente, sensible et très chic. Où ça? Je demande à vous. C'est pas ton genre, allez, laisse tomber. Ah oui? C'est le genre de qui? Chaud devant. Ça sent bon. Tout cela est superbe, Matt. Hey, tu te souviens de Martin Sykes? Il habitait cette grande maison au Spring Road. Oui. Cancer du côlon. Ah, oh, quelle misère. Papa. Ils ont ouvert et devant l'étendue des dégâts, ils ont fermé. Papa, tu sais bien que je ne veux pas qu'on discute de ce genre de choses à table. Des formations professionnelles dans une famille de médecins. Si je comprends bien, vous êtes médecin? Je suis psychiatre et Harry, lui, est gastro-entérologue. Oui, pour ceux qui savent qu'ils sont névrosés et ceux qui l'ignorent. Matt était sur le point de devenir chirurgien orthopédiste. C'est vrai? Vous aussi, vous alliez être médecin? Nous avons été stupéfaits le jour où il a tout lâché pour devenir un... Maman, que les choses soient claires. J'ai arrêté parce que je détestais ça. Il sortait toujours major de sa promotion. Jamais je ne suis sorti major de ma promotion. Pourquoi inventes-tu ce genre de mensonge? Grand-mère, j'ai fait un beau dessin pour toi. Tu as fait un dessin, c'est très gentil. J'ai hâte de voir ce joli dessin. Non, non, pas maintenant. Ça ne fait rien, Alès. Alex adore faire de la peinture. Chérie, goûte le petit rond. Une horreur. Quel genre d'épices utilisez-vous, mon enfant? C'est moi qui le prépare. Je mets du curry. Passez-moi la farce. Vous faites vous-même la farce? Non, je l'achète toute faite. Je rajoute de la chapelure. Je trouve qu'il y a quelque chose d'autre. Ce sont les abats, tu adores ça. Je n'ai pas mis les abats. C'est très goûteux pour du surgelé. Oh, comme c'est joli! Dis-moi, qui est ce monsieur? C'est pas un monsieur, c'est un enfant avec une mitraillette. Et il compte se servir de sa mitraillette? C'est déjà fait, il a tué deux personnes, regarde. Ces deux-là, ils sont déjà morts. Oh, tous les enfants sont violents à son âge, il ne faut pas s'en inquiéter. Je vais donner du lait à ton père. Alex pourrait bien en prendre un peu. Ne bougez pas. Je vais en chercher. Carole, t'as pensé à prendre du décaféiné? Donc, la route n'a pas été trop mauvaise pour venir? Non. L'année dernière, t'as eu une appui, non? Allô? Mira, je vous en prie. J'ai mes beaux-parents aujourd'hui. Très bien. Ils vont certainement trouver quelqu'un d'autre, c'est Thanksgiving. Non. Il n'y a personne d'autre. Sois sans crainte, je me charge de tout ici. Je reviens dès que possible. Pourquoi tout le monde est grognon aujourd'hui? Oh,
Oh, Madame Wilson, vous n'avez pas le droit d'emmener cet enfant sans autorisation de sortir. Il veut rentrer chez nous. Dieu m'en est témoin, il rentrera. Alors si vous n'enlevez pas sa perfusion, c'est moi qui le ferai. Il nous faut une autorisation de sortie. Je me charge de ça, Mary Pat, merci. Roberta, j'aimerais vous parler. On demande Mademoiselle Thompson sur la 4. Qu'est-ce qui se passe? Le père de Denis a téléphoné. Il dit qu'il veut venir à l'hôpital voir son fils. Je n'ai aucune confiance en lui. Lui faire quitter l'hôpital n'arrangera rien. Je veux que Denis parte d'ici. Et moi aussi. À chaque fois que j'entre dans cet hôpital, je revois ma pauvre petite fille à l'agonie. Je refuse que Denis connaisse ce qu'a connu sa mère. Laissez-moi l'emmener. C'est sûrement son dernier Noël. Je lui achèterai des jouets. Nous ferons un beau sapin. Il pourra manger ce qu'il aime. Lorsque le moment fatal arrivera, je m'allongerai près de lui. Et je lui ferai écouter de la musique gospel. C'est la moindre des choses de lui offrir une mort sereine. Roberta, vous savez bien que ça ne se passera pas comme ça. Denis a besoin de soins constants. Jamais vous n'y arriverez toute seule. Vous êtes avec moi ou non? Prépare les papiers pour la sortie du petit Denis. Tiens, tu devrais jeter un coup d'œil. Demandez ça à la pharmacie, voulez-vous? Je m'absente. Je suis attendu. Hé! Tu as mis Sarah Blake sous perfusion pour 2 jours? J'ai besoin qu'un estomac soit vide pour pratiquer mes recherches. C'est de la folie, elle meurt de faim. Mais j'ai vu ça avec Frank Blake. La prochaine fois, tu vois ça avec moi. Qu'on donne à manger à cet enfant. Tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a? Syndrome prémenstruel? Denis sort aujourd'hui. C'est à croire que c'est son fils. Vous n'avez jamais envisagé de vous porter donneur de cœur artificiel? Alors, bonjour. Comment ça va? Je déteste cet hôpital. Oh oui, je sais. Oh, j'ai un petit cadeau pour toi. Tiens, regarde. Tu vas voir. Pas terrible, hein? Tu veux une imitation, alors? Je sais faire le bulldog. Regarde. Faut avancer le menton et grogner. Ouais. Allez, prends soin de ta grand-mère, d'accord? À moins qu'elle... Allez. Au revoir. On est encore convoqué. Amélia? La sentence. Réunion parentale pour déterminer la politique à tenir face à la nourriture. C'est vraiment nécessaire? Ok, je reconnais mes torts. J'ai glissé des beignets dans le déjeuner d'Alex. Tu as mis des beignets? C'est sérieux? Bon, je savais que la Gestapo risquait de s'en apercevoir. Enfin, à son âge, moi, j'en mangeais tous les jours. Oh, on n'a qu'à pas répondre, c'est tout. Faisons la sourde oreille. Non, Amélia. Nous devons nous battre au contraire. Nous battre pour faire triompher notre idéal. Je refuse de fuir. Et pouvoir au peuple. Amélia? Son état s'améliore. Elle mange davantage et elle prend du poids. Tant mieux. Mais je voudrais encore vérifier quelque chose. J'ai entendu parler du nanisme. Si vous voulez bien, Madame Blake, j'aimerais que vous fassiez le test du sida. J'ai effectivement eu une transfusion. J'en étais sûr. Toutes ces histoires à propos de problèmes psychologiques, c'était de la blague. Ma petite fille est malade parce que sa mère a été transfusée par un connard de tout vide. Monsieur Blake, pas si vite. Je ne crois pas qu'elle ait le sida. D'ailleurs, aucun de mes confrères ne l'a dit. Si je demande ce test, c'est pour ne rien négliger. Rien d'autre. Rien d'autre. D'accord?
Regarde. Regarde ce qu'il y a là. Ah, des carottes. Waouh. Ouais, c'est pas en t'entartinant dans la figure ou bien le dos que ça marchera. C'est mieux dans la bouche. Prêt? Ah. Et on mâche. Tu vas devenir grande et forte. Et tu deviendras présidente des États-Unis. Oui, c'est bien. Ah. Alors, comment ça va avec eux? Je crois qu'ils préféreraient que ce soit le sida. Au moins, ils n'auraient plus à se sentir responsables. Vous avez remarqué? Ils ne parlent jamais, Sarah. Ils ne la touchent jamais. Attendez d'avoir toutes les informations avant de juger qui que ce soit. N'empêche qu'elle a pris presque une livre depuis qu'elle mange avec nous. Oui, super. Allez, ouvre ta bouche. Parfait. Ah, ouais. C'est bizarre, la vie. Sarah meurt d'un manque d'amour. Denis meurt en dépit de ça. Pour l'un et l'autre, la médecine est impuissante. Vous n'êtes pas Dieu, Amelia. Vous n'êtes que médecin. Merci, Mira. Brandon a voulu échanger son déjeuner entier contre les beignets qu'avait Alex. Et je suppose que mon fils a refusé l'échange. Du pâté de poisson aux lentilles contre ses beignets, aucune chance. Je laisse toujours un paquet de bonbons à disposition pour Max, à lui de décider d'en prendre un ou pas. Mon fils sait s'autodiscipliner. Si je faisais ça avec Brandon, il mangerait tout en 2 minutes. Je vais les tuer. Naturellement, je n'achète que des produits allégés. Des beignets allégés, quel délice! Personnellement, je n'irai jamais donner un paquet de bonbons à Brandon, car c'est pas un service à lui rendre. Madame, le seul service que vous auriez à rendre à Brandon, c'est de lui dire de cesser de manger ses crottes de nez. Je dirais à Alex d'arrêter son troc et je suis persuadée que vos enfants iront mieux. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Oh, Patty, vraiment, je suis désolée. Non, au contraire. Il fallait que quelqu'un remette en place le club des nutritionnistes purs et durs. Autrement dit, Alex n'est pas renvoyé. Ah, génial. Merci. Au revoir. Je viendrai samedi soir. D'accord. Au revoir. Samedi soir? Eh oui, Patty va emmener Alex au match de basket et puis après, elle l'emmènera à la maison pour qu'on fête Noël tous ensemble. Je ne peux pas continuer à dépendre sans arrêt les autres mères. Non, bien sûr que non. Si t'avais pu te libérer, il va de soi que j'aurais préféré. Mais je peux pas. Je suis de service avec les internes. Oui, c'est vrai. C'est gentil d'avoir pu venir. Où tu veux, quand tu veux. Qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Crache le morceau. J'ai l'impression que... Matt commence à se lasser de moi. C'est légitime, c'est vrai, lui, il va de mieux en mieux, et moi, t'as vu l'allure. Les femmes lui font du gringue à longueur de journée. Il a un ticket avec l'institutrice d'Alex. Elle est si souriante, maternelle, séduisante. J'avoue que moi aussi, je l'aime bien. Alors, tu vas t'y prendre comment? Qu'une idée. Un conseil. Il va falloir que tu prennes soin de toi, je le crains. Si tu craques, la situation ne fera qu'empirer. Tu parles comme Matt. Il a raison. Il déteste ce que je fais. Il déteste m'entendre parler d'enfants comme Alex qui souffre du sida. Il déteste me voir passer... Oh là là, tu as dit des enfants comme Alex qui ont le sida. Non, pas... J'ai dit Denis. Denis. Si on buvait quelque chose. Oui, bonne idée. Docteur Stewart, l'infirmière est passée très tôt. Elle n'a pas dit que vous alliez venir. Elle n'en savait rien. Je voulais juste apporter ça à Denis. Mon fils Alex l'adore. Fallait pas faire tout ce chemin jusqu'ici. Mais si. Entrez, je vous en prie. Merci.
Comment va-t-il? Mieux. Il va mieux. Il a pris des forces. Asseyez-vous. Aujourd'hui, il a essayé de frapper l'infirmière. Rien de particulier? Il a toujours cet eczéma. Il se gratte sans arrêt. L'eczéma, c'est fréquent chez les enfants qui ont le sida. Je vais vous donner une crème pour le soulager. Merci. C'est votre fille? Mm-hmm. Et qu'est devenu le père? Je n'ai aucune nouvelle, Dieu soit loué. Il était tellement content. Quand il m'avait fait le sapin... C'est magnifique. Ça le fatigue, mais il est beaucoup plus heureux ici. Il est beau, cette arbre de Noël. Est-ce que ça va, docteur Stewart? Oui, bien sûr. Je vais préparer du thé. Et je veux aussi une hache, et une épée, et une lance. Non, qu'est-ce que tu feras d'une lance? Tu as déjà toutes les autres armes à transporter, c'est suffisant. Tu te rends pas compte, je suis un super-héros. Dis, t'es obligé d'être de garde même le soir du réveillon. Mm-hmm. Mais Patty va t'emmener voir le match de basket avec papa, et moi je serai à la maison demain matin. Il y a encore des petits-enfants qui sont très malades dans ton hôpital, c'est ça? Oui, mais la plupart vont guérir. Il y en a qui vont mourir aussi? C'est possible, oui. Et moi, je vais mourir, tu crois? Oh, chérie, pas avant très très longtemps, mon ange. Mais tu sais, tôt ou tard, tout le monde meurt. Maintenant, ça suffit! Tu sais, ton père n'aime pas tellement qu'on parle des gens qui sont malades, mon chéri. C'est pas grave. T'en fais pas. Tu lui as fait peur. Ah, c'est moi? Tu ne trouves pas que ce genre de discussion, c'est traumatisant pour un enfant de 5 ans? Je regrette, c'est lui qui a demandé. Tu aurais préféré que je lui mente. On lui ment constamment, Amélia. Pour le chat de beauté, pour Goldorak, pour le Père Noël. Il a aussi le droit de savoir. Qu'est-ce que tu me reproches à la fin? Je te reproche ton manque de présence. T'es presque jamais à la maison et quand tu y es, c'est encore pour parler boulot. Toi aussi, tu parles boulot, je ne te dis rien. Quand m'as-tu seulement demandé comment ça allait, hein? Je t'ai dit il y a 2 semaines que j'avais une réunion importante concernant le financement de 2 autres chantiers. Tu m'as demandé comment ça a marché? Je suis désolée. Oui, c'est ça. Les excuses ne suffisent plus. Et voilà, vous survivrez. Mais il y aura une cicatrice. Prenez-en 2 toutes les 4 heures pendant 2 jours. Vous pouvez l'emmener en radiologie, s'il vous plaît. Il y a 2 internes qui vous attendent. Mais pourquoi c'est toujours moi? La rançon de la gloire. Vous m'envoyez flatter. C'est leur premier stage aux urgences? Mm-hmm. Dieu soit avec moi. Je vous présente les docteurs Greenberg et Gifford. Espérons que la nuit sera calme. Moi, je rentre. Laissez-moi deviner, pédiatrie et orthopédie. Médecine sportive. Comment avez-vous deviné? L'équipe des supersonites. Moi, j'avais rien. Save l'intuition, on y va. Léger début de congestion, pas de fièvre, pas de vomissement, tout sèche. Donc, d'après vous, c'est un rhume. Mm-hmm. Madame Schindler, vous permettez que je regarde? Viens, mon président, viens me voir. Oh, tout va bien. C'est une enfant prématurée? 10 semaines. Ah. Elle est allée en couveuse. Elle avait un problème cardiaque. Très bien, merci. Je vais repasser. Merci. Je crois que j'ai oublié 2-3 petites choses. Du calme, c'est peut-être un rhume. Faites-lui passer une radio. D'accord. Docteur Stewart. C'est moi. Je crois qu'Alex est malade.
Et t'as regardé s'il avait la température? J'arrive pas à retrouver le thermomètre. Et va voir dans la cuisine, le dernier tiroir à droite. Bon, d'accord. Est-ce que tu peux venir? Mais tu y as mis la tête tombée par la fenêtre, ça a l'air sérieux. Chambre 16. Matt, j'ai une urgence, je te rappelle dès que je peux. Qu'est-ce que c'est? Une gamine de 2 ans qui est tombée par la fenêtre, premier étage. Visiblement, ça va, mais on n'arrive pas à l'examiner. Je vous tuerai si vous lui faites du mal! Calmez-vous, je suis le docteur Stewart. Quel est votre prénom? Wanda, est-ce que votre fille est tombée sur la tête? J'en sais rien, j'étais pas là quand ça s'est passé! Appelez un garde, s'il vous plaît. Wanda, je suis une mère, moi aussi. Je veux juste m'aider. D'accord. Qu'est-ce que vous lui faites? Wanda, comment s'appelle-t-elle? Tiffany. N'aie pas peur, ça va aller chez toi. Pour ne pas gêner le docteur. Un joli collier. Tu vas voir, c'est rien. Regarde, allez. Allons-y. Chantez-lui une chanson. Calmez-la. D'accord. Douce nuit, sainte nuit. Parfait. Continue. Clôture et plumes de bruit. Non, non, écoutez, cette situation est impossible. Allô? C'est encore moi, il a presque 40. Donne-lui un bain, ça fera tomber la fièvre. Il refuse. Mais ça fait rien, insiste, je suis sûr que tu y arriveras. Bien sûr que je peux y arriver, c'est pas le problème. Mais c'est toi qu'il veut. Bon, passe-le-moi, je vais lui dire un mot. Non, ça fera empirer les choses. Personne qui pourrait être remplacé? J'aimerais, parce que je peux te dire que c'est la folie ce soir. Docteur Stewart, venez vite, on a même des brûlés. Vas-y, j'ai entendu. Vite, vite, dépêchez-vous. Laissez passer. Merci, merci. C'est vraiment la pire nuit de Noël. Roberta Wilson est ici, avec Denis. Oh non. C'est moi, Denis. Attends. Ne t'inquiète pas, on va t'aider. On va te donner quelque chose pour que tu n'aies plus mal et que tu puisses respirer comme il faut. D'accord? Ça va aller mieux. Voilà. Tu es un petit garçon très courageux, Denis. Très courageux. Roberta? Docteur Stewart? C'est trop injuste. Il n'a rien fait. Écoutez, Roberta, je le reprends dans mon service. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'ait plus mal. On fera ce qu'il faut. Vous avez été merveilleuse. Ce n'est pas ça que je veux entendre maintenant. Ce que je veux, c'est en finir avec cette paperasse. Il peut mourir cette nuit. Et si ça doit être sa dernière nuit sur Terre, je refuse de perdre une minute de plus à remplir vos fichus papiers. Denis a besoin de moi à ses côtés. Allez-y, retournez près de lui. Je m'occupe du reste. Merci. Bonne nuit, petite maison. Bonne nuit, petite souris. Bonne nuit à toi, le peigne. Bonne nuit à toi, la brosse. Bonne nuit à personne. Bonne nuit, la bouillie. Bonne nuit, la vieille femme murmurant dans le soir. Bonne nuit, les étoiles. Bonne nuit, l'air. Bonne nuit, tous les bruits du monde. Bonne nuit, Roberta. Bonne nuit, Amélia.
Salut. Salut. Je savais pas que vous étiez là. Quand j'ai ramené Alex après le match, je l'ai trouvé un peu chaud. Le temps que son père arrive, la fièvre avait encore monté, alors j'ai préféré rester ici jusqu'à votre retour. J'espère que j'ai bien fait. Oui, bien sûr, voyons. Merci. Ça va? J'ai très soif. Tu as très soif? Oui, un peu ce qu'il y a. La limonade. Oh, fais un peu attention, Alex. Enfin, ça y est, voilà. Alors, tiens, je te le donne. Je m'en vais. Soigne-toi bien, Alex. Patty, attendez. Attendez. Merci. Merci pour tout. Tu m'as manqué. Oui, à moi aussi. Bonne nuit. Quand tu étais tout petit, je t'endormais très souvent en te berçant. J'étais petit comment? Oh, tu portais encore des couches. Mais j'étais le même enfant. Oh oui. Tu étais mon petit Alexandre. Et tu es celui que je préfère entre tous. Si tu m'aimes, c'est parce que moi je suis ton enfant. C'est pour ça que tu m'aimes plus. Il était vraiment malade. Il a juste attrapé la varicelle, voilà tout. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mourir pour attirer ton attention? Je ne pouvais pas venir. J'ai eu une gamine qui était tombée du premier étage. Et d'autres qui étaient brûlées. Où est notre place, Amélia? Tu t'occuperas de nous quand tes malades iront mieux et que les hôpitaux seront vides? C'est ça? Réponds! Je vais demander quelques jours de congé. Ouais, bien sûr. Je gratte pas, chérie. Ça gratte, tout le temps. Oh oui, je sais. Tu veux qu'on lise un livre? Non. T'avais promis qu'on ferait le sapin. Mais on va le faire. À l'école, moi, j'ai fait un cadeau de Noël pour papa et toi. Seulement, je l'ai laissé là-bas, c'est bête. Tu nous as fait un cadeau? Mais c'est adorable, mon trésor. Eh bien, tu sais ce que j'ai fait, moi? Moi, je t'ai préparé plein de bons cookies avec de la confiture de fraises, sans oublier d'ajouter des vermicelles en chocolat par-dessus. J'ai vu que tu avais fait des cookies. Oui. Et ce n'est pas tout, il y a du poulet au citron. Avec du riz sauvage. C'est vrai? Viens, viens manger des cookies d'abord. De bons cookies faits maison. Alex, tu veux des cookies au chocolat? Tu veux des un cookie? Des bons cookies, c'est vrai qu'on veut un cookie. Un bon cookie fait maison. Faut que tu l'attrapes. Allez, vas-y, attrape. Je ferai ça demain matin. Non, ça ne me gêne pas. Il y en a pour 5 minutes. Je pense souvent à nous. Très souvent. Ça fait 2 jours que t'as pas dormi. T'es sûre que t'as pas sommeil? Certaine. Allô? Quand? Je comprends, j'arrive tout de suite.
Alors le type s'est présenté comme le père de Denis. Il est allé voir Roberta, il lui a demandé des détails sur Denis. L'infirmière m'a appelé. J'ai appelé Mira, qui a appelé notre avocat, et qui dit que la grand-mère n'a aucun droit sur son petit-fils. C'est ce qu'a dit l'avocat? Il n'avait pas le choix. Le père refuse qu'on débranche Denis. Un enfant ne peut pas être débranché contre l'avis de ses parents. Il reste maintenu artificiellement. Où est son père? C'est loin d'être l'exemple à suivre. C'est un ancien toxico, et c'est un fou de Dieu par-dessus le marché. Il n'a pas cessé de vous réclamer, Léonard. Je ne peux rien changer à ce qui s'est passé, Roberta. Mais j'ai prié pour que le Seigneur me pardonne et j'ai prié pour vous. Denis souffre beaucoup, Léonard. C'est la fin, Denis va mourir. Je suis le docteur Stewart, vous êtes le père de Denis. On m'a dit que vous vouliez tout arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai jamais voulu renoncer. Nous voulons juste qu'il arrête de souffrir. Vous avez perdu la foi. Ignorez-vous l'existence de miracles, docteur Stewart? Il n'y aura aucun miracle pour votre fils, mais une plus longue agonie, pendant que vous tenterez de rattraper le temps perdu. J'étais en prison. J'avais tellement honte que mon fils sache qui était son père. Docteur, il y a forcément un moyen de le tirer de là. Vu votre comportement envers lui, je ne vois guère en quoi vous pourriez nous aider dans ce sens-là. Je souhaite un peu de temps. Je voudrais prier pour mon petit garçon. Je suis vraiment désolée. Vous n'avez qu'un mot à dire et je fais venir un homme de loi. Vous en avez le droit. Non, non. Peu importe ce que je pense de cet homme, c'est toujours le père de Denis. À part moi, c'est le seul et unique parent qui lui reste. S'il a besoin de temps, soit. Je dois accepter. Docteur Stewart, ligne 2. Docteur Stewart, ligne 2. Docteur Stewart. Alex, c'est vraiment très mal. Je serai à la maison dans une heure. Tu vas m'écouter, merde. Il ne parle pas, il ne m'entend même pas. Je crois qu'il a des convulsions. Bon, amène-le-moi immédiatement, alors. Comment ça? À l'arrière de la voiture? L'air du soir ne lui fera aucun mal, je vous attends. Oh, je te déteste pour me laisser me démerder tout seul. Je ne sais pas ce qu'il a. Voilà. Pardon, laissez-moi regarder. Prenez son pouls. Qu'est-ce qu'il a, mon Dieu? Vous en faites pas, on va trouver. Alors, voyons un peu. Oh, c'est pas joli, joli. Il y a infection, là. Risque de septicémie. Bon, on va lui faire une perf. C'est pas toi qui t'en occupe? Non, j'ai pas le droit, je suis sa mère. Écoutez, je crois que c'est pas la peine que vous restiez, Matt. Je vais m'occuper de lui. Allez remplir sa feuille. On va te le remettre sur pied, ton petit gars. T'en fais pas. Merci, Randy. C'est stabilisé. On va le mettre dans une chambre seule. Vous êtes matinale? Oui, mon fils est malade. Il vient juste d'arriver. Chambre seule, bien sûr. Oui, il est contagieux. Vous vous gardez les meilleures places, hein, quoi, c'est tout. Écoutez, je comprends bien qu'il soit difficile d'être à plusieurs. Difficile? Vous avez déjà passé toute une nuit avec un autre enfant qui hurle et qui pleure sans arrêt et ses parents qui regardent la télévision? Monsieur, si ça ne tenait qu'à moi, tous les malades seraient en chambre seule. Monsieur, si ça ne vous dérange pas. On ne s'entend même plus penser avec tout ce boucan. Hier, où j'avais justement un coup de fil important à passer, voilà que cette chose qui se prétend infirmière m'a dit que les malades et leurs familles ne pouvaient pas utiliser son téléphone. On ne veut pas courir le risque de bloquer la ligne. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je réveille ma petite fille en téléphonant près d'elle, mais elle s'en fichait. Tout le monde se fiche de moi d'abord. Et puis ma petite fille, vous n'êtes que des toubibs de merde. Vous n'êtes même pas fichu de trouver ce qu'elle a. Oui ou non? Ce n'est pas un problème médical, monsieur Blake. Lorsqu'elle est à l'hôpital, elle prend du poids. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle en perd.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous insinuez qu'on affame notre fille? C'est ce que vous voulez dire? Si à la fin, c'est d'amour. Sale pute! Écoutez, je vais rejoindre ma famille. À la prochaine scène, je vous ferai renvoyer de cet hôpital. Bien, Géraldine. Ça ne va pas se passer comme ça. Sa gamine, c'est celle qui est anorexique et dont je t'avais parlé. Je me fous de sa fille. Il s'agit de notre fils, Amelia. Alex, tu te souviens? J'ai eu très peur tout à l'heure. Tu crois que tu étais le seul à être inquiet? Bien souvent, j'ai l'impression de traiter avec Dieu. De son côté, il promet que tout ira bien pour Alex si moi, je prends soin des autres enfants comme si c'était mes enfants. Ça ne marche pas comme ça, Amelia. Avec Dieu, on ne marchande pas. Si jamais on ne trouvait pas de grand sapin. Bon alors un moyen. Non, gardons l'idée d'un grand sapin. Un sapin moyen. C'est un sapin avec plein de cadeaux. Oui. Ah oui, ça y est, tu rentres déjà chez toi? Oui, parce que le médecin, c'est maman. Joyeux Noël, Marie-Paz. À vous aussi. Soigne-toi bien, Alex. On va faire le sapin aujourd'hui. Oh, t'es un sacré petit venard. Au revoir. Au revoir. Il faut que je vous parle. Tout de suite? Nous ramenons Alex chez nous, Mira. Frank Blake a passé ses dernières 24 heures dans un état de rage quasi permanent. Et pour conclure, il veut repartir avec sa fille. Il faut l'en empêcher. On est le 24 décembre, bon sang, et on ramène notre fils à la maison. Amelia, je n'irai pas par quatre chemins. Les Blake s'en vont suite à votre conduite particulièrement inqualifiable. Vous devez aller leur présenter des excuses. Et s'ils partent, je vous en tiendrai personnellement responsable. Tu as promis... Oui, je sais, chérie. Je n'en aurai pas pour longtemps. Je te le jure. Je serai à la maison à 13h. Tu crois peut-être qu'on va rester à t'attendre. Maman, c'est pas juste. Voyons, Monsieur Blake, si vous veniez dans mon bureau afin que nous puissions discuter. Nous partons. J'ai déjà essayé de discuter avec le docteur Stewart, la grande experte, mais sa conduite a été inqualifiable. Monsieur Blake, j'ai eu tort et je vous prie de m'excuser. Pour la santé de Sarah, je vous demande de nous la laisser. Je t'en prie, Frank. Je regrette, ma décision est prise. Madame Blake, je sais ce que vous pensez, que je m'en occupe mal et que je n'aime pas Sarah. Non, c'est absolument faux. Mes paroles étaient stupides et d'une grande cruauté. La vérité, c'est que nous ignorons ce dont souffre Sarah. Nous n'en savons rien. J'aime ma fille. Géraldine! Alors laissez-la moi encore. Ne l'emmenez pas. Je dois partir. Vous n'avez pas su faire abstraction de vos propres sentiments et c'est grave, Amelia. Sarah Blake est malade et ses parents sont angoissés. Je suis angoissée, moi aussi, Mira.
Je suis une mère et mon enfant est souffrant lui aussi. Dans l'enceinte de l'hôpital, vous êtes avant toute autre chose médecin. Je veux un rapport détaillé sur mon bureau avant que vous partiez. Tu fais ça? Ne crie pas, il vient de s'endormir. Quel fou de le transporter ici dans son état! Oui. Mais il n'est pas mourant, donc ça devrait aller. Salaud, dis-moi tout de suite où il est! Écoute-moi bien. Toute mon enfance a été bercée de coups de fil nocturnes et de promesses manquées. Je refuse qu'Alex vive ça aussi. Je regrette, mais ce n'est pas à moi de payer pour ce que tu as vécu, enfant! Oh, très bien. Tu savais où tu mettais les pieds quand tu m'as épousée, Matt? C'est loin de la vérité! Ah, c'est pour ça que tu flashes sur cette Patty qui est charmante, mignonne et très bien élevée. Oh, je t'en prie, c'est juste une amie. Il se trouve en plus que pour elle, Alex est quelqu'un d'important. Oh, parce que pour moi, non? Il passe toujours après les autres. Il faut qu'il soit admis aux urgences pour que tu fasses attention à lui. Tu as une réaction de macho et de jaloux. Si d'un seul coup les rôles étaient inversés, cette discussion n'existerait pas. Ça? Oui, absolument. Je suis tout sauf un macho. Oui, alors, il faut que j'applaudisse, que je te félicite et qu'on dresse un mausolée, c'est ça que tu veux? Tu joues les enfants gâtés et tu n'es qu'un égoïste. Et tu refuses d'admettre que j'aime ce que je fais, que c'est important pour moi, parce que tu es convaincu que ce que tu fais ne compte pas. Non! Mais ce dont je doute beaucoup, c'est qu'Alex et moi, on compte pour toi. Je veux voir Alex, Matt. Je veux qu'il rentre à la maison. Cette fois, ça suffit. Va-t'en, Amelia. Va-t'en. Je refuse que tu séquestres mon fils. Je me battrai jusqu'au bout, fais-moi confiance. Ça m'étonnerait. Tu n'as pas de temps. La fièvre a encore augmenté, d'autre part son pouls est très faible, et nous avons été contraints de lui faire une nouvelle. Docteur, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Nous lui avons fait une ponction lombaire et une biopsie pulmonaire. Il peut mourir d'ici ce soir, ou résister encore jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que vous changiez d'avis et qu'on arrête le système de ventilation. C'est à peine si j'ai connu mon fils. Je sais à quel point c'est une décision difficile à prendre, mais il n'y a plus d'espoir. Je voulais seulement être son ami. J'ai prié le Seigneur. Et qu'a-t-il dit? Mon fils a assez souffert. On arrête. C'est d'accord. Oh,
était un si gentil petit garçon. Le seul qui soit fautif, c'est moi, et personne d'autre. C'est moi le responsable. Soyez meilleur que moi envers ceux que vous aimez, docteur. Combien pour celui-ci? Oh, je vous le donne. Prenez-le. Joyeux Noël, madame. Oh, merci. Merci infiniment. Très joyeux Noël. Oh, il s'est cherché de quoi l'attacher. C'est très gentil. Vas-y, ouvre, ouvre. Regarde ce que le Père Noël t'a apporté. Vas-y, ouvre tes cadeaux. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'après toi? Peut-être que c'est ce que j'avais demandé. Ah, super, c'est ce que je voulais. Wow. Voilà, bien, merci. Hein. Après, voyons ce qu'il y a d'autre. Je vais ouvrir celui-là. Non, non, ouvre d'abord celui-ci. Voyons voir ce que c'est. Attends. Écoute d'abord, est-ce que tu entends quelque chose? Non. Réveille-la doucement.
Ça y est, c'est Noël. Maman, c'est Noël. Réveille-toi. Je vais te montrer ce que j'ai eu. Oh là là. Alex, où est-ce que t'as eu tout ça? C'est le Père Noël. Il m'a trouvé, tu sais. C'est vrai. Oh, il est drôlement fort, ce Père Noël, dis donc. Il m'a apporté des tas de cadeaux. Vite, fais-moi voir. Je vais te montrer. Tu reviens à la maison. Tu peux me pardonner. Et toi, tu peux vivre avec moi. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne vaux pas grand-chose. Tu n'as pas de prix. Ne réponds pas. Si, si, j'y vais. J'y vais. Allô? Bien sûr. C'est Christine. Oh, dis-lui que je suis pas là. T'en fais pas, Amélia. Quand tu rentreras, on sera là. Oui, Christine? Oui. Nous avons un malade qui vient d'entrer. Je crois que tu devrais venir. J'ai une semaine de vacances et je compte bien la prendre, ma chère Christine, quoi qu'il arrive. Tu seras sûrement ravie d'apprendre qu'il s'agit de Madame Blake, avec Sarah. Oh, passe-la-moi. Bonjour, Madame Blake. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Docteur Stewart. Écoutez, je passe toute la semaine auprès de mon mari et de mon fils. Néanmoins, je tiens à ce que vous sachiez que je suis très contente que vous soyez revenue. D'accord? Et je vous verrai dès mon retour. Oui, je comprends. Parfait. Et surtout, ne vous faites pas de soucis. Christine va s'occuper de vous deux. Merci. Au revoir. Regarde tout ce que j'ai eu. J'ai eu une épée et une hache, une massue, une lance. Et un bateau de pirates. Oh, merci. Mais de quoi? Pour ce que tu as fait. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Qu'est-ce qu'il t'a apporté à toi? À moi? Il m'a apporté le plus beau des cadeaux qui existent au monde.